Merci de me recevoir chez vous. Vous êtes nombreux à avoir perdu Ali Bongo de vos radars. Évidemment, le roi paresseux n'est pas au Gabon depuis la semaine dernière. D'après nos informations, le roi paresseux est en divagation aux Émirats Arabes Unis. Ali Bongo s'est déplacé en compagnie de sa nounou, Sylvia Bongo, et de quelques membres de sa sécurité, pour, dit-on, quelques vacances, mais en réalité, c'est pour des soins médicaux. Comme vous le savez, le despote ne se porte pas très bien. Il est donc obligé d'aller tous les deux mois à l'extérieur pour suivre des soins, alors qu'il avait prétendu avoir construit
des hôpitaux de pointe au Gabon. Donc, le fauteuil présidentiel est vacant. S'il y a un soldat vaillant qui peut prendre ce fauteuil pour dire à Ali Bongo de rester une fois pour toutes à l'extérieur, c'est le moment. Le fauteuil présidentiel est vacant. Ali Bongo est en divagation aux Émirats arabes unis. Pendant ce temps, le peuple patauge dans le sous-développement et la misère. Vous avez vu ces images qui nous proviennent du district de Ndangui, dans le département de Mulundu, dans le sud-est du Gabon, dans la province de Lougoué-Loulo, avec ces populations qui ont été rendues sinistrées par des militaires envoyés par le régime d'Ali Bongo pour aller brûler leurs maisons. On a vu que les turiféraires du régime d'Ali Bongo ont défilé au niveau de la télévision pour démentir et simuler un incendie commis par un ressortissant tchadien, alors que c'est un montage. Les maisons des villageois ont bel et bien été brûlées par les militaires envoyés par Ali Bongo. C'est une méthode coercitive qui a été utilisée par le régime pour contraindre donc les villageois à quitter Ndangui. Ndangui, ce village qui existe depuis 1962, donc peu avant l'arrivée d'Ali Bongo dans la sphère politique, donc juste peu même avant l'arrivée d'Omar Bongo au pouvoir. Donc ce district existe bel et bien depuis 1962 et les populations ont toujours vécu dans la paix dans cette localité. Il aura fallu qu'on ait à la tête du pays un despote sanguinaire pour tenter de chasser les habitants de Ndangui de leur terre ancestrale. Ces populations dorment à la belle étoile. Elles ont perdu tout pratiquement. Vous avez vu cette vidéo d'un auxiliaire de l'État, un auxiliaire de l'administration, donc un chef de canton, qui était en train de se plaindre, qui a lancé un appel à Ali Bongo pour qu'il vienne en aide aux sinistrés, parce que ces riverains n'avaient pas récupéré leurs effets. Les militaires ayant brûlé sans sommation les maisons des villageois pour les contraindre donc de quitter leur terre ancestrale. Et cela n'émeut pas du tout les gouvernants. Même la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda reste motus bouche cousue devant ces sinistres qui interpellent pourtant la solidarité nationale quand on sait que ces populations vivaient aisément dans leur terroir. Et il aura fallu donc que ces militaires arrivent sur place pour brûler leur maison et que ces habitants se retrouvent donc sinistrés et à la belle étoile. Mais cela n'émeut pas du tout le despote Ali Bongo. Cela coule douce aux Émirats arabes unis où il est en divagation depuis la semaine dernière. C'est son fils, Noureddine Bongo, qui assure donc l'expédition des affaires courantes. Ali Bongo, d'après nos informations, a prévu rester aux Émirats arabes unis jusqu'à la veille de la fête nationale. Il reviendra juste pour le 17 août, donc la fête nationale, celle marquant l'accession du Gabon à la souveraineté nationale. Et il y aura donc un discours qu'il va bidouiller. On fera encore quelques petits montages et puis le jeu sera fait. Et après ces montages, il est prévu qu'il reparte encore aux Émirats arabes unis pour suivre des soins. Ses médecins lui avaient demandé d'observer 6 mois de soins pour éviter une rechute. Et justement, il a donc anticipé en simulant des vacances, mais en réalité, il est parti aux Émirats arabes unis pour des visites médicales, puisque sa santé ne s'est pas du tout améliorée, malgré ce qu'on vous présente. On a vu un Ali Bongo tirant la patte arriver à l'Assemblée nationale, et il n'a donc pas retrouvé tous ses automatismes, d'où cette volonté affichée par certains acteurs de la société civile et de l'opposition, qui demandent toujours une contre-expertise médicale pour voir si Ali Bongo est toujours apte à diriger le Gabon. Mais pendant ce temps, au niveau du Parti démocratique gabonais PDG, on s'active à préparer l'élection présidentielle de 2023. Et pour le moment, c'est le despote valétudinaire Ali Bongo qui est retenu comme candidat. Il voudrait l'accompagner jusqu'au tombeau de 2023. Mais là encore, beaucoup disent qu'Ali Bongo devra d'abord se soumettre à une expertise médicale
pour montrer qu'il a retrouvé justement ses automatismes. Voilà l'information en ce milieu de soirée. En ce milieu de soirée, l'information continue sur Facebook et YouTube. Et surtout, restez connectés. Oh,
Oh,